Yo, ici Truffy et bienvenue pour la suite de Amnesia Machine for Pigs. Je n'arrive toujours pas à faire le cochon. Ah, c'est mon problème. C'est mon premier problème au monde, c'est que je n'arrive pas à imiter le bruit du cochon. Aidez-moi, Truffy. Aidez-moi à imiter le bruit que fait le cochon. Je suis littéralement obsédé par ce jeu. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo aujourd'hui. J'en refais une encore juste après. Je suis un sadique masochiste de merde. Mais je veux voir la suite. J'en peux plus. Je suis en transe. Je veux savoir c'est quoi l'histoire de Mandus. D'un côté, on a vu avant que les gens ici commençaient à vouer un culte pour le saint doux. Je peux comprendre qu'on peut vouer un culte à un aliment. Personnellement, moi, c'est les burritos et tacos. Ça, je peux comprendre. Mais du cochon, même si c'est bon, je sais pas. Et voilà ce que ça amène. Voilà ce que ça donne. Ah, ça clignote toujours. J'ai l'impression que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Peux-tu arrêter de clignoter? Il est parti par là. Alors je propose d'aller par là plutôt. Ça m'air beaucoup plus tranquille. Et il n'y a rien par ici, pas vrai. Ça aurait été foutument étonnant. Ce bruit ne me réconforte pas un poil de cul. Mais je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Je m'appelle Truffy, moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que c'est que cet objet là? Je vais aller voir ce que c'est. Allez, penche-toi, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lampe vraiment étrange. Je pensais que c'était un mécanisme, mais non, en fait. Ouh, moi je passe comme ça. Ouh. Ah non, je peux pas passer entre les étagères, comme c'est dommage. Je pensais m'itérer, tu sais, quelque chose dans le genre, mais... N'oublie pas qu'il y a un prisonnier qui gueule, normalement. Oh, j'aime pas cet endroit. Oh! Truffy, comment vas-tu? Je crois que j'ai vu le monstre aller par ici. Je ne veux pas savoir. En fait, si, indique-moi sa position exactement. Oh, je ne sais pas, mais ils sont très mauvais. L'odeur de cochon. Il paraît que les cochons sont très propres. Est-ce que ça me rassure pour un sou? Non, pas du tout. God damn it. Je n'aime vraiment pas cet endroit. Je ne sais même pas où je vais. Truffy! Écoute le son de ma voix, caverneuse. Oh, pourquoi tu me dis chute, Truffy? Jeffrey, j'ai besoin que tu sois. Un bébé? C'est ton enfant, Jeffrey? Non, pas du tout. J'aime pas les bruits de bébé comme ça. Je tiens à le dire. Bon, allez, grandis une paire de couilles, Truffy, avance, c'est tout. Non, ok. J'ai pas voulu voir ça, j'ai pas voulu voir ça du tout. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai allumé la lumière en face de lui? Qu'est-ce que c'est que ce merde? J'avais pas besoin de voir ça. C'est immonde. Est-ce qu'il s'est barré? Dites-moi qu'il s'est barré. Dites-moi que t'es parti. T'es parti là, hein? Tu vas plus me faire chier. J'ai pas peur de toi. Ok, j'ai peur de toi. Ok, cache-toi. Cache-toi là. Et pourquoi je me suis caché là? C'est une très mauvaise idée, bravo Truffy. Truffy, je l'entends. Moi aussi je l'entends, qu'est-ce que tu crois, Jeffrey? Tout Jésus! Ah, il se rapproche! Est-ce qu'il patrouille? Qu'est-ce qu'il fait? J'aime pas du tout ça. Oh, rien à foutre, je m'en vais, je cours. Ah, bonjour! Bonjour, je te saute dessus! Fantastique! Et je veux sauter dessus! Ah!
Il n'a rien capté, il est c'est con un cochon, hein. Est-ce qu'il s'est barré? T'es con comme un cochon, tant mieux. Oui, il s'est barré. Il s'est barré. Fantastique. Fantastique. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh oui, j'aime bien cet endroit, j'aime beaucoup cet endroit. Oh, est-ce que je peux me cacher là? Oh oui, je peux me cacher là. Oh, soulagement. Mets tonton. Mets tonton. Mets tonton se relâche enfin. Oh. Plus jamais je retombe là-dessus, plus jamais. Et moi qui lui saute dessus comme un trou de balle. Je parie que je suis le seul joueur au monde qui saute au-dessus du monstre. Entretien du feu. Le brouillard ne se lèvera pas, le navire étant calminé. Chacun se tient dans la pénombre en attendant de se noyer dans l'air sec. Il est le papier qui fait office de lest, rien à foutre. J'ai même pas bien vu et tant mieux. Il ressemble à Quasimodo avec... Je sais pas, il avait une patte dans les fesses, je sais pas ce qui lui arrive à ce pauvre garçon, mais il a du mal. Il a du mal avec, avec ses membres. Il traîne la patte comme un vieux chien malade. Oh punaise, oh... Quand je l'ai vu arriver, je me suis figé, j'ai fait « Oh non, je voulais pas voir ça. » Oh, potato. J'ai laissé Jeffrey derrière comme d'habitude. Si seulement. De toute façon, j'aurais pas pu le prendre avec ce qui s'est passé. Porte secrète, ouvre-toi, porte secrète. Porte secrète, ouh, ça mène ici, intéressant. Il faut que je pousse ça, d'accord. Et je referme cette porte parce que j'ai pas envie qu'il me suive, même si je doute qu'il me suivrait. Et comme c'est con un cochon, enfin, celui-là en tout cas est con. Oh, plein de piggy encore. Tant que eux bougent pas, ça me va. Oh non, pas encore un endroit où je dois remplir des... Ah, c'est fermé, ok, tant mieux. Ok, tout se passe bien, je pense. Enfin, j'espère. Oh, un clair de lune comme... non, une lune complète même, comme c'est beau. Oh, une musique douce. Ça, j'aime. Ça, je veux bien. Je veux bien entendre les musiques douces. Oui. Encore une pompe à remplir. Une course-poursuite qui s'annonce, très certainement. Yeah, damn it. Mais ça va, je n'ai plus peur de rien. Pas vrai? Cette fois, c'est pour faire quoi? Oh, c'est beau comme musique. Très beau. Cette fois, c'est pour... ça, encore? On dirait. Oh. Non, pas celle-là. Celle-là, peut-être. Water. Always the water and the sparks of the embers of the wheel. Très joli. It's too bony. It's too damn bony. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas cette voiture non plus, donc qu'est-ce que je dois faire? Celle-là peut-être. Qu'est-ce que dit le journal? Quelle belle musique. La compagnie de traitement Mandus. Je frissonne encore en repensant à ce que j'ai vu. Tu m'étonnes. Mais j'ai enfin atteint la partie principale de l'usine. Je dois poursuivre ma descente pour évacuer les eaux. Tel Moïse. Bon, bah, commence pas tes trucs religieux comme ça. Hein. J'écarterai les eaux et je libérerai mes enfants adorés de cet abominable berceau. Oui, bah tes enfants, ils ont pas l'air très prisonniers. Hein. Ils ont l'air très très morts déjà. Très Qu'est-ce que c'est que ça? Fantomatique? Ok, j'ai cru qu'il y avait quelque chose en dessous. Et ça ne me plaît guère. Oh, Trophy, je suis malade. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé trop de feuilles? Oui, je fais une overdose, je crache, j'adore les feuilles d'érable. Ça, c'est ton côté canadien. Oh oui, je sais. Ce n'est rien, Jeffrey. Je te pardonne. Vraiment? Oui, oui, j'en ai rien à faire que t'aies mangé trop de feuilles. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? La Mandus Corpse, ok. Je ne peux pas ouvrir ça. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Des pots de con... Qu'est-ce que je... Mandus, pourquoi tu t'accouples avec une boîte? Je ne sais pas. Sacré bug. Des pots de confiture? Ou de lisier, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Ouh! Mandus, tu recommences à être bloqué. Me dis pas que tu recommences à être bloqué, non, s'il te plaît. Arrête. Arrête de... Mandus, je vais te tuer. Dieu merci, tu t'arrêtes enfin de marcher. Toi et ta maladie de la marche infernale. C'est un vrai problème. À quoi ça me sert de faire ça? Est-ce que je peux passer d'une manière ou d'une autre? Non, ça ne servait absolument à rien. Fantastique. Cet endroit ne m'inspire pas confiance. Et petit pot de beurre. Petit pot de beurre de la laitière. Ah ah, fantastique. These men, professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit.
These fools who lackey them. C'est en fait mon cher, oui. These officials, this government. They make pigs of us all. Je suis complètement d'accord. What solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. Oh, en effet. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only sucker. Parfaitement d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. To wait, we can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles. Mais tu vas le fermer deux secondes. To paradise now. 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 Now is a paradise. Ok, ok, ok. Plein de sacs de pommes de terre, c'est pratique. Donc, ouais, c'est des visionnaires. Visionnaires un peu tarés. Et allez en dessous là. Un, ça me dit rien qui vaille. Ah oui, je suis Mandus, donc je suis un aristocrate et je mets ma pipe. C'est très sombre. J'adore cet endroit. Ah, donne-moi du courage, pipe. Dis-moi que tu clignotes pour une autre raison que celle que celle à laquelle je pense. Tu clignotes pas pour la raison à laquelle je pense, pas vrai? Si, tu clignotes pour cette raison. Maman, arrête de tomber, tu es trop grosse. Ah, pas encore toi. Non, 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 je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je ne fais juste que faire un petit caca entre deux caisses. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai peur? Non, moi, peur, non. C'est juste qu'un petit cochon. C'est Bev. Bev sous testostérone et... qui a un peu de mal à traîner la patte, je crois. Si seulement je peux... Oh, Gruffy, je l'ai vu, il est vraiment moche, il a un cul de cochon. Est-ce que c'est bon à manger, le cul de cochon? Ah, je ne sais pas, mais... j'aimerais bien me tailler une petite tranche de cul de cochon. Moi aussi, j'adorerais ça. Qu'il arrête de jouer avec mes nerfs, ce cochon. Est-ce que ça va pas faire un pli? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un passager 3. Toi-même, tu sais qu'il va m'arriver de la merde ici. Je ne vois rien, moi. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Où ça, quand, comment, quoi? Philibert, calmez-vous. J'aime pas ce truc de la lampe, hein. Franchement, je déteste ça. Il est descendu? Bah moi, je monte, tu vois. Parce que moi, voilà, j'aime bien faire ça, j'aime bien monter. C'est plus cool de monter, je trouve. À moins qu'il soit en haut. Oh, god damn it. Oh. J'adore ces fenêtres. Cet endroit, est-ce qu'il est ouvert? Alors, c'est fermé. Donc, c'est que je dois aller. Oh shit, ça tremble trop. Oh, tu vas m'appeler, pas vrai? Bah oui, 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 oui. Prémonition, bonjour. Quoi? I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way to seek is under the pistons. Les pistons? When you meet the saboteur, you will understand everything. Ah, je l'ai déjà vu vite fait, hein. ça me plaît pas du tout de ce que j'ai vu, donc si c'est bien ce qu'on... On parle bien de ça, d'un cochon, un mi-homme, mi-cochon qui voilà, qui sabote les trucs... Oh, note de merde. Chut, je lis une note, cochonou. Tais-toi. 12 octobre... Non, 17, c'est quoi ce chiffre? 17-12 octobre 1899. Chaque compartiment est ergonomique et doté d'un système d'alimentation de manière à positionner naturellement le produit et permettre aux bras assommants d'accéder au crâne. Nous utilisons une charge statique générée par la friction des chariots contre la courroie pour produire une charge électrique, contenue dans les récipients en verre, de chaque côté des bras assommants, et acheminée le long de ceux-ci via les câbles en cuivre. Ce que ceux qui comprennent... Je pose même pas les questions. Nous avons constaté que la foudre artificielle contenue dans ces récipients permet... Alors j'ai bien eu la foudre, permet de bien apaiser le produit. Après l'assommement, la chaîne se met à la verticale et la physique positionne le produit bien droit avant de le faire tomber directement sur le crochet de la chaîne de saignement. Le crochet traverse généralement la hanche ou la cuisse du produit et de là, nous installons un dispositif qui fait office d'entonnoir et permet au sang et aux autres excrétions de couler vers les cuves. Quelque chose me dit qu'on s'aventure avec quelque chose de bien dégueulasse, bien crade. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça va être bien hardcore, bien sanglant, bien truc, bien comme je les aime, quoi. Si seulement je pouvais faire un vœu, ce serait de ne jamais être venu ici. Et forcément, qui va réaliser mon souhait? Personne. Mon dieu, comme ça lag. Encore tout, mais pourquoi ils ont ce masque partout?
Fuck me. Fuck me. Très beau dessin, très beau. Ok, je ne pige pas un P, évidemment. Vous allez me faire descendre, là. Il y a forcément quelqu'un, là. Pourquoi tout est éteint, là-bas? Non. Quelle grosse chier. Non, c'est bruit. J'essaye d'être courageux pour vous. Hein. J'essaye vraiment. Je suis loin de l'être. Oh, Trophy, il pousse des cris abominables comme toi quand tu jouis. Dis pas des conneries comme ça, Geoffrey. Oh, God damn it. Petit babe. Babe. As-tu bien pris ta testostérone, oui? Ça va? T'es calme aujourd'hui, hein? Hein? T'es calme, le gamin. Hein? Un gamin. Ah. Je déteste ça. S'il a pu passer par là, il pourra en sortir, donc j'ai pas d'échappatoire, vraiment. C'est fantastique. Cet endroit est fantastique. Ah, je ne fais pas rien du tout. Clic-clac. Qu'est-ce que ça ouvre quelque chose? Je peux pas appuyer sur les boutons? Fantastique. Ça ne vaut même pas la peine d'aller voir l'autre côté, pas vrai? Bah, j'ai quand même aller voir parce que voilà. Pourquoi c'est ouvert? Dites-moi pourquoi c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! C'est le caillou suprême! Ah, bonjour Trophy, comment vas-tu? Mais t'as grossi, caillou! Ah bah, je suis pas exactement caillou, j'ai évolué, je suis charbon maintenant! Charbon? Qu'est-ce que je vais faire avec du charbon, moi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi? Je ne sais pas, Trophy. Oh! Mais je suis tellement gros que tu peux rien faire avec moi! Mais honnêtement, qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, notre charbon! Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Oh, je te prends avec moi, en tout cas. Ah oui! Caillou de retour pour de nouvelles aventures! C'est fin! Depuis quand c'est fermé? Ah! Non! Vous pouvez pas me faire ça! Bande d'enfoirés! Oh oui, les contrôles sont très hauts, oh là. Ah, qu'est-ce qu'on va s'amuser, Trophy? Ah non, on va pas s'amuser, Caillou. Tu te trompes, tu te gourres. On va vraiment pas s'amuser. Ouvre-toi. Caillou, viens avec moi. Vite, viens, qu'est-ce que tu fais, Caillou? Oh, j'attends. Oh, comment vas-tu, Geoffrey? Oh, Caillou, ça fait tellement plaisir de te revoir. Arrêtez de parler, c'est pas le moment tous les deux. Mais qu'est-ce que tu faisais tout ce temps-ci? Eh bien, je me curais le nez. Arrêtez vos conneries, j'essaye de résoudre une énigme, moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est coincé. Oh, il est toujours aussi empoté, pas vrai? Ah, c'est vrai. Fermez-la, vous deux, j'aurais pas dû vous ramener. Oh, moi, tu ne m'as pas ramené, Trophy. Justement, ferme-la tout jamais. Ok, je lis cette note et je me barre d'ici. 18 octobre 1899. Plusieurs évents de collecte ont été fixés au plafond à ce stade de la chaîne. Lors de l'assommement et du saignement, le produit refoule souvent des vapeurs nauséabondes issues de son système digestif et celles-ci peuvent être récupérées, condensées et utilisées dans la chaudière à méthane pour alimenter le moteur. Ainsi, plus le produit est traité, plus il génère de puissance pour la machine et plus sa productivité augmente. Un simple coup de génie, mais un coup de génie capable de tirer parti de l'automatisation autorégulatrice. Mon Dieu, c'est un technique. Je n'ai rien compris, Trophy. Parce que tu crois que j'ai compris quelque chose? Oh, ça s'ouvre. Oh, Geoffrey, tu es vraiment partout et tu as grossi toi aussi. Oh, ce n'est pas très gentleman de dire ça. Oh non, je vais devoir. Il ne le sait pas encore, mais je vais devoir brûler Caillou. Je vais devoir le brûler. Quoi? Non, rien, Caillou, rien. Je vais sûrement devoir le brûler. Brûler très fort. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté ici? Je veux juste sauter, c'est sombre. God damn it! Nope. J'ai pas envie d'aller vraiment par là en fait. Oh, c'est peut-être là que je dois mettre des choses, hein. Oui, un peu de charbon. On va juste voir. Pour l'instant, je mets pas Caillou. On va juste voir ce que ça fait. Puis j'ai appuyé dessus.
ne t'ouvre plus, s'il te plaît. Bon bah, on va arrêter là, hein, parce que voilà. J'ai envie de continuer, mais après ce sera trop long. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On a enfin vu le monstre, mais pas de trop près. Dieu merci, et j'espère qu'on ne va pas le revoir de sitôt. Mais on a retrouvé Caillou, c'est pas génial, je ne sais pas pour combien de temps. Et on a aussi Jeffrey, qu'on ne peut pas transporter, mais c'est pas grave. Donc si vous avez apprécié, laissez un j'aime, mettez en favori, partagez la vidéo et devenez notre fidèle si c'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures de Amnesia Machine for Pigs. Toujours pas. Bisous.